Bonjour, donc nous c'est Séverine et Samuel. Nous avons rejoint le programme Dolce Gusto à peu près 3 ans. Cela permet de récolter des fonds pour une association et aussi d'aider un peu l'environnement. Et moi j'ai choisi l'association Lueur d'Espoir pour Eden et les locaux dystrophiles. Grâce au programme de recyclage, lorsque vous déposez vos capsules de café dans un point de collecte public, des dons financiers sont effectués auprès d'associations choisies par les collecteurs. La capsule Nescafé Dolce Gusto est composée de 2 matériaux clés, le café et le plastique. Chez TerraCycle, nous recyclons l'intégralité des capsules de café. Tout d'abord, le marc de café est séparé afin qu'il soit composté. Il sera ensuite utilisé comme engrais dans des fermes locales. Le marc du café va rajouter un apport nutritif avec des potassium, magnésium et de l'azote. Donc il va enrichir le compost et apporter des valeurs nutritives à la plante et fabriquer un compost de très bonne qualité. Les capsules Nescafé Dolce Gusto sont alors déposées sur un tapis roulant afin d'être broyées en petits morceaux avant d'être nettoyées et séchées. Ces copeaux de plastique sont ensuite fondus pour former des granulés de plastique recyclés. Ces granulés peuvent ensuite être utilisés dans la fabrication de nouveaux produits.